combien de temps vas-tu continuer de pleurer? Pendant combien de temps? Bébé. Excuse-moi. Bébé, ne penses-tu pas que tu en fais trop? Il s'agit de mon corps. Mais tu es ma femme. Oui. Depuis que nous sommes mariés, tu me rejettes littéralement. Ce n'est pas juste. Allez, ce n'est pas juste. Et qui es-tu pour me dire ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas? Écoute, Alfred, si tu ne veux pas que je dorme, dis-le-moi, je te laisserai cette chambre. Sérieusement. Écoute, bébé, quoi que je t'ai fait, dis-le-moi. Je m'en excuserai. Ce n'est pas juste. N'importe quoi. C'est vraiment pas juste. Il faut que je me dépêche. Je ne veux pas être en retard. Pas encore. Ah, Alfred, tu l'habilles encore à 7h? Elle sera bientôt prête, t'inquiète. Alors, le petit déjeuner est prêt? En tant que ta domestique ou quoi? Mais non, ne te méprends pas. Dis-moi, est-ce que je ressemble à ta domestique? C'est ton travail, non? C'est ton devoir en tant que femme. Je ne peux pas la prêter. Et puis aller faire le petit déjeuner, ça n'est mais pas juste. Mais c'est ton enfant. Si tu la prêtes, c'est pas une mauvaise chose. Qu'en est-il de toi? Hein? Ne sais-tu pas que... Écoute, je ne veux plus être en retard au travail. Le patron m'a déjà averti et c'est risqué. Je risque de perdre mon travail et je ne veux pas perdre mon travail. Pardon, arrête-moi ça. Je ne me suis pas réveillée ce matin pour me quereller avec toi. Ne me provoque pas ce matin. Maman, ne parle pas de la sorte à papa. Si je te gifle. Depuis quand est-ce que cela a commencé? Tu vois, tu te mets à lui crier dessus. Est-ce que c'est nécessaire? Depuis quand est-ce que cela a commencé? S'il te plaît, donne-lui à manger. Et quel manger? Tu es fini. Dépêche-toi, je vais me préparer pour le travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Suis-je ta domestique? N'importe quoi. Ne t'en fais pas, ok? Je vais te conjurer à l'écoute. Donne-moi l'autre pied. Pourquoi maman est sortie avec ta voiture? Sa voiture est en panne et elle a dû partir avec la mienne. Mais t'inquiète, je te conduirai à l'école, ok? Ok. T'inquiète. Oh mon Dieu, je ne veux plus être en retard au travail. Pas encore. Ah! Ah, Alfred, pourquoi es-tu à la maison? J'ai perdu mon travail. T'as perdu ton travail? Eh mon Dieu, t'as perdu ton travail? Étais tout simplement assis là. Tu ferais mieux d'y retourner et récupérer ton travail. Car si tu penses que je vais dépenser un centime sur toi de mon petit revenu, tu dois avoir un problème parce que ça n'arrivera jamais. T'as perdu ton travail. Tu dois avoir un problème. Foutaise. Comme ça, tu veux dormir toute la journée, n'est-ce pas? Hein?
Alfred. Bébé, peux-tu me donner un peu de temps que j'y reprenne mes esprits, s'il te plaît? Quel esprit? Un misérable comme toi? Bébé, s'il te plaît. Non, ne m'appelle plus ainsi. Ne fais pas en sorte que ce nom que tu viens de m'appeler te tue. N'essaie plus ça. Eh bien, puisque tu veux rester ici toute la journée, assure-toi de me faire le dîner avant que je ne rentre. Tu m'as saisi? Oui. Que je fasse le... Le dîner, j'ai dit. N'essaie même pas de me répondre, sinon je vais te gifler. Foutaise. Du matin au soir, tu restes à la maison. On dirait un esclave. Je ferai de toi un esclave. N'importe quoi. Réveille-toi, debout. Écoute, j'ai compris ce que tu as dit et je vais faire le dîner. Va chercher quelque chose à faire immédiatement. Et voilà. Ah. C'est quoi ça? La nourriture. Cette chose, c'est de la nourriture? Ou de la merde? Oh mon Dieu. Comment peux-tu me préparer ça? C'est... Tu te fous de moi ou quoi? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me demander ce que je voulais pour le dîner? Au lieu de me préparer cette merde. Hé, Alfred. C'est tout ce que je pouvais faire, donc tu vas devoir faire avec. Sois désolé pour toi-même. Oh mon Dieu, je souffre. Allez, mange le repas que ton père a préparé pour toi. Vas-y, mange. Je n'ai plus faim de toutes les façons. Si je te gifle, allez, mange-moi ça. Je t'ai dit que tu n'avais pas faim. Oh mon Dieu, je souffre. Qui va manger cette merde? En plus, c'est mal servi. Suis-je un chien ou quoi? Alfred! Alfred! Oh mon Dieu, je souffre. Alfred! 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 Oh, désolé mon gars. J'étais un peu stressé et perdu dans mes pensées, désolé. Frère, honnêtement, depuis que tu t'es marié, tu as vraiment changé, je constate. Tu es passé du gars heureux que je connaissais à... Que se passe-t-il, mec? Écoute, Martial, je... Tu ne peux pas comprendre, mais... T'inquiète pas, j'irai bien. J'irai bien, crois-moi. C'est ce que tu ne cesses de me dire. Genre, tout le temps, tu vas bien, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tu passes ton temps à réfléchir. Tu vas te tuer, honnêtement, tu vas finir par te tuer. Mec, tu es très jeune pour réfléchir de la sorte. Je sais, mais oublions ça. Sinon, dis-moi, comment va le travail? Comment va toute chose? Bien, nous remercions Dieu, tout va bien. Tu connais les hauts et les bas du travail, les changements et tout le reste. L'économie est vraiment mauvaise. Je comprends. Alors, j'ai reçu ton message. Désolé pour la peine de ton travail, mais... Je m'interroge. Les 45 millions de naira que tu dois à la banque, comment comptes-tu les rembourser? Écoute, c'est mon principal souci en ce moment. Je ne sais même pas comment faire pour rembourser ces 45 millions de naira. Je suis en train de m'effondrer. Chaque jour qui passe, je ne sais pas comment payer cet argent. Je ne... Eh bien, tu as ta femme, une femme riche. Elle pourrait t'aider. Celle-là? Non, celle-là. S'il te plaît, mon gars. Oublie-la. Alfred, tu n'aimes vraiment pas parler de ta femme. Parce que ce n'est pas important. Écoute, Martial, nous sommes ici pour boire et non parler de ma femme. Je vais te transférer un petit truc. Quelque chose que tu pourrais, tu vois, gérer et progressivement tu vas retomber sur tes pieds. Ça, c'est mon gars. Merci infiniment, mon frère. Merci, mon gars. J'apprécie vraiment. Je m'attendais pas à ça. Tu ne devrais pas me remercier. Allez, mec, regarde-moi. Tu te souviens quand je n'avais pas de travail? Tu es celui-là qui m'a vraiment aidé. Ah, tu as besoin de me rappeler ça?
Bien sûr que oui. Oui, je l'ai fait. Pourquoi nous sommes amis? Tu n'as pas besoin de me rappeler. Écoute, je suis vraiment reconnaissant. Très reconnaissant. Merci beaucoup pour ton aide. Au moins, je peux nourrir ma famille pour quelques semaines. Écoute, Martial, tu ne peux pas comprendre. Je veux redevenir ce gars que j'ai toujours été. Je comprends, Alfred. Mais bon, tout va bien maintenant. De rien. Merci. Ma puce. J'ai vu des chaussures en ligne. La dernière sortie des chaussures Zara. 265 000. C'est sur leur site. Ah, 265 000? Mais c'est moins cher. J'en ai deux dans ma garde-robe. Pour toi, c'est facile à dire. L'entreprise Metro Hall te fait un virement de 3 millions de naira dans ton compte chaque mois. Donc, tu n'es pas censé te plaindre. Je n'ai juste pas la chance de trouver un bon travail. Mais Dieu merci pour mon mari. Sois juste patiente. Alors, qu'en est-il de... Je veux dire, ton mari? Ce cadavre ambulant. Il est à l'étage en train de dormir comme d'habitude. Depuis qu'il a perdu son travail, il est devenu plus paresseux et inutile. Mais quel genre de bassesse est cela? S'il ne travaille pas, pas de nourriture pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? De la nourriture? Qu'il ne se dérange pas, il verra très bien. Mais ma puce, ne sois pas stupide. Tu dois te battre. Ouvre tes yeux et bats-toi. Tu vois cet homme qui vit avec moi chez moi? Hein? Il me fait un virement d'1 million de naira dans mon compte chaque semaine. Malgré cela, je le fais ramper à mes pieds. Un million de naira? 1 million de naira. Chaque semaine? Chaque semaine dans mon compte. Écoute, la semaine où il hésite de le faire, je rends la maison très inconfortable pour lui. Parfois, je le mets dehors. Pas de nourriture, pas de repos pour lui. Ma puce, je ne supporte aucune bêtise. Attends. Donc, je suis trop gentille avec cet homme? Mais c'est vrai. Alfred, tu ferais mieux de bien attacher ta ceinture. Parce que l'avion est sur le point de décoller. Hein? Ma puce, c'est un CEO. Écoute, tu dois ouvrir les yeux. À toi, sans relâche. Écoute, si quelqu'un, je veux dire, si quelqu'un s'oppose à tes choix, donne-lui une bonne leçon. Ma puce agit très vite. Ma chérie, tu sais quoi? Allons nous amuser dehors. Le fait de savoir que ce bâtard est en haut me met très en colère. Allons-y. Prends ton sac. Je vais rester ici. Je vais aller me changer. Va te changer. Regardez-là. J'ai 2 paires de chaussures Zara. Non, 3. À l'étage, dans ma garde-robe. C'est seulement toi qui as droit à de bonnes choses. J'ai 2 paires de chaussures Zara. N'importe quoi. Bonjour. Ah, bonjour. Tu as bien dormi? Non, ma nuit n'était pas très bonne du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Nai, je vais aller en ville pour voir mon fils. Je ne pense pas qu'il se porte bien. Avec le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Hey, les femmes. Les femmes et leurs enfants. Vous avez toujours la manie de dramatiser les choses, tant bien même il n'y a rien du tout. Je sais que mon fils se porte bien, ainsi que toute sa famille. Tu t'inquiètes beaucoup trop, ce n'était qu'un rêve. Nai, tu ne peux pas comprendre. Mes rêves ne sont pas du tout ordinaires, je t'assure. Écoute. Tu ne peux pas comprendre. Ne t'inquiète surtout pas, mon fils va bien. Mon fils se porte bien. Arrête de te plaindre, ok? Mais j'ai quand même envie de leur rendre visite pour avoir l'esprit tranquille. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que tu le dis. Maintenant, je comprends. C'est parce que tu as vu un peu d'argent dans mon tiroir hier. Aujourd'hui, tu me dis que tu voudras aller en ville rendre visite à notre fils. Ça, c'est ton problème. Hein? Je ne veux même pas te donner un radis. Cet argent appartient à la réunion des anciens de Mouma. Et le reste, je vais l'utiliser pour importer ma marchandise. Je n'ai pas d'argent. N'y pense même pas. L'association Umuma
est ta marchandise. Sont plus importants que mon fils que je veux aller voir. Sont-ils plus importants que lui? Ok, ne me soutiens pas. Ne t'en fais pas. Je vais vendre mon gari. Celui qui est dans le seau. Mes marmites, tout ce qui se trouve dans cette cuisine. Je vais les vendre. Je vais vendre mes légumes. Pour récolter de l'argent pour aller en ville. Attends. Je ne faisais que plaisanter avec toi. Ne le prends pas au sérieux. C'est ce que je vais faire. Ne me dis pas. C'est ce que je vais faire. Cette marmite ainsi que ce gari. Ah ah. C'est important. Surtout ne le fais pas. Non, je vais le faire. J'étais juste en train de plaisanter que t'es déjà en train de me dire je vais vendre mon gari, je vais vendre mes marmites, je vais te dire quelque chose. Fais attention avec tu moi, d'accord? Tu me connais, non? Je plaisantais juste avec toi. Ce n'était que des blagues. Alors, tu vas me soutenir ou pas? Dis-le-moi maintenant. Je vais te dépanner un peu, tu vas me soutenir juste un peu. Tu me connais, n'est-ce pas? Si tu ne me soutiens pas maintenant, dans la nuit, tu connais, je ne vais pas te soutenir. Je ne vais même pas regarder de ton côté. Hey! Ozoma, s'il te plaît, surtout ne fais pas ça, je t'en prie. Je te dis que je vais le faire. Surtout ne mentionne pas du tout ce côté-là. Je vais te dépanner, ok? Tu vas me soutenir. Bien sûr que je le ferai. D'accord, dans ce cas. Je le ferai. Je savais que tu allais me soutenir. Je vais te dépanner. Ah, bébé, tu es là. Je suis allé à la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Mais il n'y en a pas, s'il te plaît, peux-tu... Te prêter de l'argent? Non, laisse-moi t'aider à compléter ta phrase, puis te prêter de l'argent. Mais sérieusement, t'as pas honte de toi-même? Qui a épousé qui dans cette maison, si je peux le savoir? À qui demandes-tu, moi? En tant que chef de famille de cette maison ou quoi? Que je te prête de l'argent? Idiot se place devant moi et me demande de l'argent. Non, s'il te plaît. Je ne sais pas. Depuis quand c'est un crime de demander de l'aide à sa femme? Je ne sais pas. Écoute, pourquoi tu me parles comme si je suis un paresseux? Je ne le suis pas. Quand je travaillais, j'ai construit cette maison. J'ai acheté ces voitures. Et je te nourrissais, toi et ma fille. Alors, ne me parle pas comme ça te chante, ok? Tu n'as pas ce droit. En plus, je t'ai même trouvé ce travail. Pourquoi tu... Et puis quoi? Tu m'as trouvé un travail et puis quoi? Non, vas-y, dis au monde entier que tu m'as trouvé du travail. C'est la seule chose que t'as pu faire dans ta vie. La seule et unique chose que t'as pu faire de bien dans ta stupide et misérable vie. Prends le micro. Écoute, bébé, pourquoi tu te méprends, hein? Pourquoi? Écoute, en ce qui me concerne, t'es juste un cadavre ambulant qui est placé devant moi, ok? Comporte-toi comme un homme. Je veux dire, d'autres hommes donnent à leurs épouses des millions chaque mois, chaque semaine. Tout ce que tu sais faire, c'est manger, dormir, se réveiller, raconter des bêtises. Prête de l'argent, c'est ça? Va là-bas dehors et trouve-toi un travail, c'est tout. Bébé, qu'est-ce que je fais de mal? Je suis juste venu te dire que j'ai faim, c'est tout. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de te mettre en colère pour ça, ok? Je suis désolé. Que fais-tu? T'es vraiment stupide! Alfred, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Papa, je sais que tu as faim. Voilà, mange. Ne t'inquiète pas, princesse, tu vas bien. Cette nourriture est pour toi, ok? Mange. Non, papa, je ne peux pas manger quand tu as faim. En plus, je t'ai entendu dire à maman que tu avais faim. Je t'en prie, papa, mange. Ma princesse, je vais bien. Cette nourriture est pour toi. Tu peux la manger. Papa, s'il te plaît, mange. Ok, je vais manger. Je vais manger, mais tu devras me nourrir, ok? Ok. C'est délicieux. Viens. Tu es contente maintenant? Oui. Tu dois manger. Non, papa. Ma maîtresse a dit que je ne peux pas venir à l'école si je n'ai pas payé ma pension. C'est vrai? Oui. Ok, je... Ne t'inquiète pas, ok? Je vais me rassurer de payer ta scolarité à temps pour que tu retournes à l'école, ok? D'accord, papa. Papa, maman est-elle méchante? Non, ta mère n'est pas méchante. Ta mère est gentille. Elle t'aime beaucoup, ok? Alors, mange ta nourriture et plus de questions.
Je t'en veux pas. Regarde-toi. T'as pas honte de manger le repas de ta fille? Incapable. Je t'ai vu depuis l'étage. Et toi, passe comme ça. Si je te gifle, lève-toi. Allez, passe. Va à l'intérieur. T'es si effronté. Ah! Je te déteste. Ah! Chérie, chérie, tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Ouais, j'ai pas faim. D'accord. J'ai besoin de 10 000 lira pour mes produits de toilette. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Tu m'as donné de l'argent de garder pour toi? Je n'ai pas d'argent. Mais chérie... J'ai dit j'ai pas d'argent, dégage! Oh, tu veux pas dégager? Reste là, je vais te rouler dessus. Chérie, chérie... Donc tu veux me dire que ce dossier n'est pas prêt jusqu'à présent? Mais sois rapide et envoie-le à Beatrice Investment. C'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que tu me perds du temps? Donc tu veux dire que ce dossier n'est toujours pas prêt? Désolé pour l'interruption. Je te rappelle plus tard, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Marie, ça fait 4 jours que notre fille ne va pas à l'école pour la scolarité. Donc... J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Elle doit retourner à l'école, mais c'est comme si ça ne te concernait pas. Et alors, qui est censé payer la pension? Marie? Non, 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 il n'y a pas de mairie qui tienne. Bon, ma question, qui est censé payer la pension? Je ne comprends pas. Parfois, quand tu réagis, la façon dont tu réagis me pousse à me poser des questions si tu es vraiment sa mère. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Va payer la pension de ta fille en tant que chef de famille et laisse-moi tranquille. Dégage d'ici et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. T'es arrivé au point où nos problèmes ne te concernent plus? Ça ne te regarde plus? Marie, s'il te plaît. Écoute, comme tu as pu le constater avant que tu n'arrives, je passais un appel d'affaires, ok? Alors laisse-moi tranquille. Colle-moi la paix. C'est quoi tout ça? Ok, je suis désolé. Je ne t'en veux pas. D'autres hommes payent des pensions chères pour leurs enfants. 500 000 pour leurs enfants. T'as qu'un seul enfant était incapable de payer 100 000. Un seul enfant. Et si j'avais fait 3? Si j'avais fait 3, qu'aurais-tu fait? T'allais mourir. Oh, mais inutile. Allez, dégage et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Dégage et laisse-moi respirer. Regarde-toi. Il me supplie pour la pension, espèce d'inutile. T'as même pas honte de toi-même. Je suis tellement irritée maintenant. Tu me demandes la pension. Hey! Seigneur, je souffre. Mérite, tu souffres. Hey! Merci d'être venu, mon frère. Je suis venu aussitôt que j'ai reçu ton appel. Que se passe-t-il? Martial, je suis vraiment désorienté. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Désorienté, que se passe-t-il? Ok. Tu sais que j'ai perdu mon boulot il y a quelques mois. Et les choses sont difficiles tous ces temps. La chose la plus importante maintenant, c'est... ma fille. Elle a été mise à la porte à cause de la scolarité. Martial, s'il te plaît. Je dois payer sa scolarité. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Je t'assure, je vais te rembourser. Je te le promets. Je comprends pas. Ta fille a été renvoyée de l'école. Alfred, papa, tu m'étonnes. Genre, tu me fais me poser des questions. Voilà, tu as une femme riche. Une femme qui travaille dans une grande entreprise. Elle peut payer la pension de ta fille. Martial, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'ai fait venir pour parler de ma fille qui a été mise à la porte à l'école et non de ma femme. Vas-tu me prêter de l'argent ou non? Je t'en prie. Alfred, tu connais la situation actuelle dans ce pays. En fait, tout est bloqué. Je suis financièrement à terre en ce moment. Je n'ai même pas un seul sou. Donc, ma fille, Martial, tu es mon seul espoir. Ok, peux-tu me prêter 30 000? 30 000, je t'assure, je vais te rembourser. Promis. Venando, je n'en ai pas. Bon. 10 000. 10 000.
Alfred, écoute, en fait, tu fais comme si j'avais de l'argent et que je refusais de t'en donner. Tu me connais, si j'avais, je t'en aurais donné. Tu ne comprends pas. J'ai même essayé d'appeler Kanayo. Mais il n'y répond pas, son numéro ne passe pas. Kanayo a voyagé pour l'étranger. D'ailleurs, même il a démissionné. Et quelqu'un d'autre a pris sa place. Pourquoi est-ce que les choses ne font que devenir difficiles? Pourquoi? Ok, très bien. Y a-t-il un poste vacant dans ton entreprise? Je veux dire, même travail de vigile, je m'en fous. Je peux faire n'importe quoi pour que ma fille retourne à l'école. S'il te plaît. Alfred, crois-moi, si j'avais le pouvoir de t'aider, je te jure devant Dieu, je n'aurais pas réfléchi deux fois. Mais il n'y a pas de place. Nous avons même un tas de CV empilés au bureau. Qu'est-ce que je fais? Oui, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Tu dois te calmer. Comment voudrais-tu que je me calme? Ma fille est là-bas. J'ai certaines responsabilités dont je dois m'occuper en tant qu'homme. Et tu me demandes de me calmer? Ma situation ne fait que s'empirer de jour en jour et tu me dis de rester calme? Tu n'es pas à ma place. Tu ne peux pas comprendre. Que vas-tu faire maintenant? Tu vas te tuer? Tu n'es pas à ma place. Tu ne peux pas comprendre. Si tu comprenais ce que je traverse. Mais c'est comme toi. J'étais dans ta situation. Il faut que tu te calmes. Je vais appeler la serveuse. Serveuse? Non. Ça ne m'intéresse pas. Tu veux pas boire? Non. Plus, tu ne cesses jamais de m'impressionner. Merci d'être passée. Quelle visite inattendue. Ah, ma puce, tu sais que je suis très occupée au travail ces derniers temps. Sinon, je viendrais te voir tous les jours. De toutes les façons, je comprends. Bienvenue. Mais tu brilles là. Ah, regarde comment t'es toute rayonnante. Dis-moi, quel est ton secret? Donc, tu viens juste de le remarquer? J'ai trop de choses dans la tête, je viens juste de le remarquer. Ah. De toutes les façons, merci. Cet idiot m'a donné 500 000 pour mon lait. Quoi? 500 000? Caché en espèces. 500 000 juste pour le lait? Hey, Seigneur. T'es chanceuse. T'es très, très chanceuse. Pas comme mon cadavre ambulant de mari qui est à la maison incapable de payer les frais de scolarité. Les frais de scolarité de sa fille, il en est incapable. Tu te rends compte? Je te le dis. Il doit payer ça, oh. Obligatoirement. Peu importe comment il fera pour obtenir cet argent. Il doit payer ses frais. C'est une obligation. Ah, ah! De toutes les façons, mon mari ne peut pas s'amuser avec moi. Il a reçu une bonne gifle de moi ce matin parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Tu veux dire que tu l'as giflé? Je veux dire une grosse gifle. Une très grosse. Je lui ai donné une grosse gifle. Hey! Tu penses que je suis là pour blaguer? Bébé, tu sais quoi? J'ai un rendez-vous que je dois honorer, ok? D'accord. Je ne sais pas quand est-ce que je vais te revoir. Regardez-la, femme d'affaires. Ah, 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 ah. Qu'il y a? Désolé de te réveiller. Est-ce que je peux dormir? Bébé, on peut parler? Ok. Ok. Parle, je t'écoute. J'espère que cette fois, tu seras raisonnable. Bien. Je dois à la banque une somme de 45 millions que j'avais pris pour les affaires. Et ils me réclament leur argent. Tu dois à la banque et tu dois le rembourser. En quoi cela me concerne-t-il? Je veux vendre certains de mes biens pour les rembourser. Je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans ma maison ou qu'ils m'embarrassent ou qu'ils s'en prennent à ma maison. Tu devras me passer sur le corps. Hors de question. Cela n'arrivera pas. Alfred, même si tu veux vendre quoi, je m'en fiche. Mais ne touche pas à ma voiture ou cette maison. Si tu veux les papiers de divorce rapidement, et je le pense... Écoute, bébé, tu n'as pas besoin de crier. Pardon. Pourquoi tu... Bonne nuit. N'importe quoi.
Lève-toi et va chercher du travail. Il est déjà midi, Alfred. Tes égaux sont dans des bureaux, en train de travailler. De vrais hommes. Et toi, t'es ici, en train de dormir bêtement. Comme un paresseux. Tu as perdu tes sens? Tu es malade? C'est pour ça que tu m'as fait cette ronde? Je le ferai encore et encore. Va chercher du travail, Alfred. Qu'est-ce qui ne va pas sur toi? J'ai perdu ce travail par ta faute. Tu es malade? Alfred, fais ceci. Nettoie la maison. Alfred, lave les habits. Va chercher l'enfant à l'école. Je t'ai supplié d'empocher une ménagère, mais tu as littéralement refusé cela, Marie. Et maintenant, tu me mets la pression d'aller chercher un travail? Que je t'avertisse pour la dernière fois. Plus jamais de toute ta vie. Tu ne verses de l'eau sur moi. Ne le refais plus. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire, Alfred? Que vas-tu faire? Dis-moi, que vas-tu faire? Rien du tout. Espèce de stupide paresseux. J'entends vos pas. Homme inutile. Regarde-toi. C'est tout ce que tu sais faire dans cette maison. Raconter des âneries. Va chercher du travail, Alfred. Foutaise. J'entends vos pas. Foutaise, je te déteste. T'es si stupide. N'importe quoi. Hey, ok, quand nous serons là-bas, je vais t'acheter... Ah, maman. Grand-mère. Maman, comme tu es venue sans appeler, j'espère que papa va bien. Donc, je n'ai pas le droit de rendre visite à mon fils, c'est ça? Mais maman, tu étais censée appeler, non? J'aurais dû appeler, c'est ça? Tu aurais dû appeler, mais tu ne décroches pas tes appels. Maman, je suis désolé, j'étais occupée. Hey, Mary, ma fille, comment vas-tu? Mon fils, que se passe-t-il? T'inquiète pas, maman. Elle est juste... Elle va bien. Tout va bien. Allez, viens. Allons à l'intérieur. Allons-y. Sois le bienvenu, maman. Dis-moi, comment va le village? Marie? Tu as tellement grandi. Marie? Marie! J'espère qu'il y a la paix dans cette maison. Maman, t'inquiète pas. Peut-être qu'elle a oublié d'ouvrir. Elle était... Donc elle a oublié. Elle dis-moi est, que je sache, maman, si je dois faire demi-tour. Comment je peux... Ah, ça c'est ma maison. Je suis l'oncle de la maison. Pourquoi tu vas quitter ma maison? La maison de ton fils. Comment tu peux dire ça? Sois le bienvenu. Marie? J'espère qu'il y a la paix dans cette Marie? Maison. Dis-moi. Arrête, lâche-moi un instant. Peux-tu m'expliquer de manière gentille ce que tu fais dans ma cuisine avec ta chemise qui s'est soudainement perdue? As-tu perdu ta langue? Mais vas-y, parle. Mary, pourquoi as-tu changé la chaîne que je regardais? Et alors? Ça, c'est ma maison. Et c'est moi qui recherche ce câble. Alors tu ferais mieux de te préparer à retourner dans ton village paumé avant de voir mon mauvais côté. Hey, Mary, pourquoi me parles-tu de la sorte, Mary, dans la maison de mon propre fils? Est-ce que tu es folle? Que viens-tu de dire là? Ton fils? Mm-hmm. Ce cadavre ambulant, hey, c'est ça? Ce paresseux? Donc, si on parle de fils, toi aussi, tu vas t'aligner? Ton fils, des gens stupides et débiles, dans la maison de mon fils. T'es pas sérieuse. Ne t'en fais pas, mon fils va rentrer. Je vais te trahir chez lui. Qu'il rentre, je vais te trahir chez lui. Va me trahir auprès de Dieu. Me trahir chez qui? Dans ma maison. Un câble que je recharge. T'es vraiment stupide, moumou. Foutaise. Tu peux imaginer, je vais trahir celui. Je souffre dans cette maison. Je vais vous traiter dans cette maison. Tu n'as encore rien vu.
La maison de mon fils, que je te trouve encore ici. Je vais casser ta tête, que je te trouve encore ici. Foutaise. Maman, depuis que je suis rentré, tu m'as l'air très triste. Qu'est-ce qui... Je veux dire, tu vas bien? Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas à cause de ta femme, hein? Maman, ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de visionner. Elle est venue et elle a changé la chaîne que je regardais. Je lui ai demandé pourquoi. Elle s'est mise en colère et m'a traité de tous les noms. En me disant comment elle va me chasser de cette maison. Attends, un instant. Ma femme a fait ça? Elle l'a fait. Est-ce que ta mère te mentirait? C'est bon, maman. C'est bon. Je vais lui parler. Je vais arranger ça et je suis désolé. Tu ferais mieux de lui parler. Parle-lui, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, tu ne peux pas le croire. Ça me fait penser. Où sont tes voitures? Et pourquoi n'es-tu pas au travail? Maman, c'est une longue histoire. Ne t'inquiète pas, on parlera de ça la prochaine fois. As-tu mangé quelque chose? Tu as faim? À manger? Oui. On ne prépare pas dans cette maison. Je n'ai rien mangé depuis le matin. D'accord, maman. Laisse-moi juste aller à la cuisine et te faire quelque chose à manger. Ok? Ok, oh. Si ta madame va te le permettre. Et pourquoi pas? Maman, ne parle pas comme ça. Donne-moi cette nourriture. Hé, hey, cette femme est culottée, hein? Du poulet, de la salade. Donc tu fais même la loi dans ma propre maison, c'est ça? Donc tu ne veux pas que je mange? Attends, tu ne veux pas que je mange? Tu as déjà mangé du poulet de toute ta vie? As-tu déjà vu du poulet dans de toute ta vie? Dans la maison de mon Allez, fils. Hume-le, hume-le, hume-le. Vas-y, hume-le. Hé, hey, hume-le. Regarde ta bouche, tu veux manger, espèce de villageoise. Cette fille est trop mauvaise. Donc je ne peux même pas manger dans la maison de mon propre fils. Hé! Hey! Ok, si je ne te donne pas la ratachopdaï dans cette maison, hé! Hey! Patron, bon après-midi. Marcos, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Patron, comme vous me voyez là maintenant, tel que je suis venu là, comme un mouton sans queue, c'est parce que je veux que vous me payiez mon salaire. Marcos, je n'ai pas d'argent. Vous dites? Ma situation est très mauvaise en ce moment. Ne m'ajoute pas les maux de tête, s'il te plaît. Je t'en prie. Patron, il n'y a pas d'argent? Patron, ce que vous dites là n'entre pas très bien. Dans ma tête, j'arrive pas vraiment à comprendre. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Ça fait 6 mois au complet que vous me devez. Vous ne m'avez pas payé depuis 6 mois. Et vous me dites qu'il n'y a pas d'argent? Ce n'est même pas parce que... En fait, ce n'est pas juste parce que vous ne m'avez pas payé depuis 6 mois. Savez-vous que... J'ai des enfants au village. J'ai appris l'autre fois que l'un de mes produits, l'un d'entre eux, a failli mourir. Après mes recherches, j'ai appris qu'il a failli mourir de faim. Et tous les autres, ceux qui le suivent, ils ont tous l'air d'avoir du corps. Maintenant que je vous parle, vous me dites que... Mais, patron, je vous en prie, ne blaguez pas comme ça. Que voudrais-tu que je fasse? Si tu veux partir, va-t'en. Hein? Ne m'ajoute pas les mots de tête, s'il te plaît. Je t'en prie. Patron? Vous avez dit que je m'en aille? Bah, j'ai bien entendu. Marcus, fais tes bagages. Patron, faites attention. Faites attention. Commence à faire mes bagages et partir. Sans mon salaire, 6 mois de salaire et je dois faire mes bagages et partir?
C'est comme ça que vous faites les choses? Marcus? Je n'irai nulle part. S'il te plaît, si tu ne veux pas partir, alors reste. Écoute, Marcus, s'il te plaît. Ok, calme-toi juste. Je vais arranger les choses et te payer. Ok? Ok, pas de problème, je vais attendre. Je ne pars pas. Je ne bougerai pas. Merci. As-tu mangé quelque chose? Patron, à ce moment, quand tu connais la réponse, tu ne poses plus la question. Comment posez-vous une question à laquelle vous avez la réponse? À m'entendre parler, je ressemble à quelqu'un qui a mangé. Savez-vous que si je parle comme ça, comme un disque rayé, c'est à cause de la famine? J'ai faim. Et quand la famine a atteint ce niveau, tu prends ton cerveau, tu le mets sous tes pieds et tu le piétines. Bien sûr que je le sais. À chaque fois que tu as faim, tu commences à... Depuis deux jours, madame ne m'a pas donné à manger. Si je savais que ça allait être comme ça, j'allais commencer à jeûner et prier. Mais pas de problème. Marcus, prends ceci. Essaie de te trouver quelque chose à manger. Patron. Ça, c'est ce qu'on appelle bon management. Patron, avec ça, je vais acheter tout le restaurant pour l'amener ici. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez manger? Marcus, je vais bien. J'ai besoin de réfléchir. Peux-tu me laisser? Marcus, je vais bien. Que voulez-vous que je prenne comme accompagnement? Je vais bien, Marcus. C'est d'accord. Je pense que j'ai compris. Environ combien de plats? Tout va bien, patron. Patron. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Et de rien. Cet argent va m'aider cette semaine. Je vais manger. Je vais très bien manger du matin au soir. Tu sais, chaque fois que je te vois, mon corps commence à trembler. Parfois, on dirait que quelque chose sort de mon corps. J'essaye de le rattraper, mais c'est trop rapide. Ça me fait un genre... Attends, Marcus. Les 5 000 que je te demande depuis une semaine, tu ne veux pas me donner. Ce n'est pas comme si je ne veux pas te donner 5 000 naira. 5 000 naira, c'est quoi? Je peux te donner 5 000 naira plus les intérêts. Tu comprends? Tu sais que je vaux bien plus que 5 000 naira? C'est juste parce que le patron ne m'a pas payé depuis 2 ans déjà. Ah, ça fait 6 mois qu'il ne m'a pas payé. Et dès que mon patron me paye, t'es la première personne à qui je vais penser. Je t'assure, c'est quoi 5 000 naira? Donc tu n'as pas l'argent? Ouais, je rentre chez moi. Écoute, viens là. Tu me fais du chantage? Tu me fais du chantage? C'est du chantage que tu me fais pour 5 000 naira? Hein? T'en fais pas. J'ai 1 000 naira. Que mon patron n'en voulait plus. Il ne les voulait plus, tu comprends? Donc il me les a filés pour me trouver à manger. Alors il m'a dit de prendre les 1 000 naira pour aller chercher à manger. Donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que vu que j'ai 2 cœurs, en fait j'ai 1 cœur que j'ai divisé en 2. Je te donne une partie et je garde une partie. Donc je vais te donner 500 naira et tu verras ce que tu peux acheter. Donne-moi les 1 000 naira. Tu dis? Donne-le tout. Sois une bonne mère, sois une bonne mère. Ah, Marcus. Prends 500 et je reste avec 500. Hein? Je viendrai chercher le reste après. Ouais. Ah, c'est sans problème. Hein? Tu vois ce qui va se passer maintenant? Maintenant que j'ai payé ma dette. Il reste 4. Maintenant que j'ai payé ma dette. Hein? Tu vois, j'aurais dit qu'on aille dedans. Mais cette Jezabel, cette Liane, cette méchante femme est à l'intérieur. Hein? Et si elle te voit maintenant, bam, elle va t'arrêter. Marcus, donc, je vais rentrer. Ce qu'on va faire, c'est que demain... À notre endroit, tu comprends? Oui, je au sais. Au même endroit. Je écoute, sais. Si tu gardes cette attitude, maintenant que je sais que t'aimes les billets de 5 000, si tu gardes cette attitude, je t'en donnerai des billets de 5 000. Si tu gardes cette attitude, n'arrête pas, hein? N'arrête pas. Le plus beau gardien. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a que moi. Hein? D'accord. Ton chocolat, ton bébé, quoi. Ton sucre, ton miel, quoi. Marcus, ton homme, le meilleur. Tu vois, quoi. Tout ça, c'est moi. Je vais te laisser. OK. C'est un très bon parfum. Je veux en mettre partout.
MTN que vous avez composé est momentanément indisponible. S'il vous plaît, veuillez réessayer plus tard. Merci. Hey! Hey! Aucun d'eux n'est joignable. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire confiance à une femme? Ozoma m'a dit qu'elle allait passer seulement 2 nuits. Maintenant, elle a passé 5 nuits. En plus, son téléphone n'est pas joignable. Celui de son fils non plus n'est joignable. Maintenant, regarde-moi. Je ne peux même pas manger correctement. Hein? C'est d'accord. Si, après 3 nuits, elle n'est pas encore rentrée, je vais chercher de l'argent et j'irai directement en ville voir mon fils. Pour savoir quel est le problème. Oui, je le ferai. Je vais un peu essayer d'appeler mon fils. Le numéro MTN que vous avez composé est momentanément indisponible. S'il vous plaît, veuillez réessayer plus tard. Merci. Toujours pas. Mon fils. Maman. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ton travail? Eh bien, maman, j'ai perdu mon travail à cause des multiples retards. Retard au travail? Oui. C'était parce que tu te réveillais tard ou quoi? Pas vraiment, mais... Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. Non, mon fils. Je dois savoir. Hein? Je suis ta mère, tu peux me parler sans crainte. Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Libère-toi, je suis ta mère. Maman, tu vois... J'ai perdu mon travail pour plusieurs raisons. Il fallait que je me lève, que je prenne soin de ma fille, faire le petit déjeuner, la conduire à l'école. J'étais toujours en retard. Alors Mon patron ne pouvait plus le supporter. C'est comme ça que j'ai perdu mon job. Alfred, ne me dis pas que tu fais toutes ces choses dans cette maison. Et ta femme est là à ne rien faire. Empoisonne-lui l'esprit. Empoisonne-lui l'esprit. Espèce de sorcière. Empoisonne-lui l'esprit. Femme méchante et stupide. Comment oses-tu? Maman, maman. Hé! N'essaye même pas. N'essaye jamais de poser tes doigts sur ma mère. Jamais. Maman, c'est bon, s'il te plaît. Maman, oh, calme-toi, s'il te plaît. Parce que je te laisse dans cette maison, hein? Fais ton possible, espèce de villageoise maléfique. Si je te laisse dans cette maison, c'est à cause de ma petite fille. Sinon... Tu partiras de cette maison, je maman, me fais. Hey, tu partiras de maman, cette maison. Maman, assieds-toi. Je vais m'occuper de vous tous dans cette maison. C'est toi qui vas partir de cette maison. C'est la maison de mon fils. Attends, tu vas partir de cette maison, espèce de petite mal élevée. Maman, pourquoi tu te disputes encore avec elle? Ne fais pas attention à elle. C'est à cause de toi, Alfred. C'est à cause de toi. Maman, détends-toi. Bois, non? Je ne peux plus le supporter. Maman, je n'en peux plus. Tu es venue me rendre visite. Et non, ma femme, ne t'inquiète pas. Ça okay, va. Ok, ok. Alors, dis-moi, comment se porte? Je n'en peux plus. Maman, ça va, ça suffit. Ah, Alfred. Écoute, Marcia, tu ne comprends pas. Ma maison s'est totalement transformée en une zone de guerre. Tu vois, pour pas que tu meurs avant le temps. C'est quoi l'utilité de cette vie? Et pas de travail? Pas d'argent? Oh mon Dieu,
Et tu penses que je ne te comprends pas? Non, tu ne comprends pas. Honnêtement, tu ne peux pas comprendre, je t'assure. Tu ne peux pas. Je ne peux même pas contrôler ma femme. Ou alors ma mère. Je veux dire que je perds la tête. Encore moins ta mère. Alors que fait-elle encore chez toi? Non, merci Arthur. Tu raisonnes comme si tu oubliais à quel point j'aime ma femme. Je veux dire que je dois lui donner encore un peu de temps. Si elle peut changer, je crois que c'est possible. Tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est ça le problème. Parce que je l'aime. C'est seulement ça le problème. Il faut que tu la mettes à sa place. Écoute, sinon, cette histoire va continuer. En tout cas, je vais te transférer quelque chose pour que... Merci, mon frère. Chaque fois que je fais quelque chose pour toi, c'est la moindre chose que je puisse faire. Marcus, pourquoi es-tu assis comme quelqu'un qui s'est perdu? Prends sa chaussure et cire-les. Patron, honnêtement, je suis perdu. Je me cherche, mais je ne me trouve pas. Prends sa chaussure et cire-les. Maintenant. J'aurais besoin de ça maintenant. Prends. Patron, c'est pas mon travail de cirer les chaussures. Tiens, prends cet argent et va au supermarché m'acheter des serviettes hygiéniques. Mais le patron m'a dit que... Ferme-la! Sombre idiot! Marcus, t'inquiète pas. C'est bon, c'est bon. Marcus, ne bouge pas d'un pouce. Si tu bouges de là, je vais casser ta tête. Si tu veux qu'il t'achète quelque chose, tu dois demander la permission à ton mari. Et le faire poliment. En tant que qui? En tant que chef, le chef de cette famille. Hein? Oui. Donc on parle de chef de famille, il en fait partie? C'est toi qui me parles, toi. Hey. Ne convoque pas où? Maman, c'est bon, ne t'inquiète pas, ça va, ça va. Remets-moi les chaussures, Marcus. C'est bon. Hey, Marcus, je veux ces serviettes hygiéniques maintenant. Marcus, je m'amuse si pas tu, avec toi. Si tu bouges d'un pouce, je vais casser ta tête aujourd'hui. Marcus, vas-y. Vas-y, va m'acheter ces serviettes. Reste là, Marcus. Marcus, pars d'ici maintenant. Reste là. Marcus. Tu vois? Marcus. Il est mort. Mange-le. Marcus est mort. Foutaise. Chaque fois, tu donnes des ordres dans cette maison, comme si c'était toi qui l'as construite. Marcus. Lève-toi. Laisse-le tranquille. Marcus, lève-toi. Allez. Patron, où êtes-vous? J'ai dit. Maman. Patron, reste, vous êtes là? C'est bon, maman. Là. Patron, maman. Où êtes-vous? Arrête vous êtes pas. Là? Ne m'énerve vous êtes là, patron. Sophie, ferme-la. Marie. Ferme-la. Patron, protégez-moi. Mais pour qui est-ce que tu te prends? N'importe quoi. Va m'acheter les serviettes. Je vais rester là. J'ai dit qu'il n'ira nulle part. J'ai dit qu'il n'ira nulle part. Comment toi? Aidez-moi. Viens, maman. Allons-y. Viens, maman, viens. Dégage, viens, maman. Marcus n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Patron, protégez-moi. Laissé dehors depuis plus d'une heure de temps. Hein, Marcus? Merde! À qui sont ces sandales? Merde! Merde! Dégage! Oh. Oh. Merde! Oh, qu'est-ce que ça fait mal! On aurait dit de la foudre dans mes yeux. Remercie Dieu que c'est pas ça à quoi je pensais. T'es vraiment chanceux. Remercie Dieu. Merde, qu'est-ce que ça chauffe! Allez, viens m'ouvrir ce portail! Viens m'ouvrir ce portail! Je ne vois viens plus rien. Viens m'ouvrir ce portail, oh! En fait, j'arrive même plus à ouvrir mes yeux. C'est toi qui feras entrer cette voiture. Oui, c'est ta punition. Vraiment stupide.
Les clés de la voiture? La voiture? J'ai jamais conduit avant. La seule chose que je sais conduire, c'est... La seule chose que je sais conduire, c'est... Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Oh, regardez-moi ça. Oh, je n'ai jamais... Aïe. Wow, 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 wow. Je n'ai jamais conduit de voiture avant. Et tu me donnes une clé de voiture pour aller conduire. Comment? Comment est-ce que je fais ça? Aïe. Aïe. Tu vois, toi, toi, si la foudre ne te frappe pas, si la foudre ne te frappe pas, c'est pas moi. Regarde, regarde. J'étais sur le point de... J'étais... Bébé. Non. Bébé, reviens, s'il te plaît. Ne pars pas. Tu es sérieuse? Ai-je l'air de blaguer? Elle doit partir, oh. Elle doit partir avant qu'elle ne t'empoisonne. Elle n'a pas intérêt. Jamais. Qui lui fait penser que je voulais me marier avec son fils en premier lieu? Écoute, si c'était pas à cause de Candiraton, ça me dérangerait pas de rester célibataire. Je suis fatiguée de ce mariage. Sérieusement. Mais elle doit partir. Hein? Et en ce qui concerne ton cadavre de mari, il doit payer pour lui avoir permis de rester là. Tu peux le croire? Dieu merci pour l'homme que j'ai épousé. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Parce que s'il me tente, il ne fera que recevoir des grosses gifles de ma part jusqu'à ce qu'il comprenne. T'en fais pas. Je sais quoi faire. Ils verront mon autre visage. Une bande d'imbéciles. Ils n'ont encore rien vu. Je vais m'assurer d'en finir avec eux. Foutaise. Peux-tu le croire? Je vais t'apporter quelque chose à boire. Non, je ne suis pas d'humeur. Te dérange pas. Tu vas bien? Ça va, je vais bien. Mais, ma puce, tu dois te battre. Ces gens vont me faire peindre la tête un jour. Continue de te battre. Je te fais confiance. Et quand même, ma puce. Grand-mère, tu vas rester ici pour toujours? Non, je ne vais pas rester ici pour toujours. Je ne peux pas laisser ton grand-père seul au village. Peux-tu venir avec grand-père pour que nous vivions tous ensemble? C'est ce que tu veux? Oui. Ok, je vais faire venir ton grand-père pour toi. Tu es la meilleure. Oui, et tu es la meilleure petite fille de tout l'univers. Je t'aime aussi. Hein? Ma petite fille, quand vas-tu commencer à travailler et à donner l'argent à ta grand-mère? Très bientôt. Ok. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Vas-y. Va-t'en de ma maison. Sors de ma maison. Je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est ta maison. Viens ici. Viens ici. Je vais te tuer. Allez. Allez. Allez, sors. Sors de chez moi. Donne-moi ma valise. Viens. Donne-moi ma valise. Viens. Viens. Je vais te tuer, espèce d'imbécile. Reviens encore. Stupide, reviens encore chez moi. Reviens. Foutaise, bandit idiot. Princesse, comment tu vas? Je vais bien.
Bon après-midi, ça va? Papa, hein? Est-ce que tu sais que maman a chassé grand-mère avec un couteau? Attends, tu es sûre de ce que tu dis? Oui. Tu veux dire que ta grand-mère n'est pas à l'intérieur? Oui, papa. Maman a chassé grand-mère hors de la maison? Avec un couteau? Oui. Maman? Oui. C'est bon, je vais arranger ça, ok? Alors, tu vas derrière la maison. Je viens te raconter une histoire, une très belle histoire. Vas-y. Ok. Oui. Attends. Alors, comme ça, t'es finalement rentré. Hein? Après t'être bien amusé chez mon fils. Maintenant, donne-moi ce que mon fils t'a donné. La boisson, ainsi que l'argent. Parce que si tu entres, ce sera une autre histoire. Alors, je vais les avoir, ici et maintenant. Oh, comme ça, tu ne parles pas. Hein? Est-ce que tu as vu un fantôme lorsque tu venais? Ou alors tu en es devenu, hein? Nai. Hein? Si je te dis ce que j'ai vu avec mes propres yeux, dans la maison de mon fils. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu en dehors de mon fils, sa femme et sa fille? Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Nai. En fait, au moment où je te parle, notre fils n'est pas au courant que je suis dans ce village. C'est aussi sérieux? Très sérieux, Nai. Sa méchante femme me poursuivait avec un couteau. Je courais comme une folle dans la rue. Nai. Est-elle aussi méchante et maléfique? Nai, quand tu dis maléfique, c'est trop gentil, Nai. Elle est pire que maléfique. Oh. En fait, Nai, notre fils est en danger. Je suis vraiment dépassée. Hey! Nai, cette fille... Cette épouse doit quitter cette maison. Elle doit partir. Notre fils est trop innocent pour supporter cette torture. Nai, je ne veux pas perdre mon fils. Sa vie est en danger. C'est d'accord. Je pense que je vais appeler mon fils pour l'entendre même de sa bouche. Nai, okay. Agis vite. C'est d'accord. Tu peux maintenant aller à l'intérieur. Nai, tu ferais mieux de vite agir. Agis vite avant que je perde mon fils. Agis vite. Laisse-moi l'appeler maintenant. Toi, va à l'intérieur. Hey. Doucement, arrête de pleurer. Ah, écoute, je t'ai déjà dit plusieurs fois de me prévenir quand tu veux venir. Sais-tu que madame t'a presque surprise? À chaque fois que tu veux venir, fais l'effort de m'appeler. Appelle-moi d'abord au téléphone. Mais tu ne comprends pas. Écoute, Marcus, ce que tu racontes te regarde. Il y a le feu sur la montagne. Un grand feu. Il y a le feu sur la montagne? Ah, s'il y a du feu sur la montagne, est-ce que c'est moi qui l'ai mis, là? Hein, est-ce que c'est moi qui ai mis du feu? S'il y a du feu sur la montagne? Écoute-toi, est-ce que je ressemble à un pompier? Pourquoi est-ce que tu me dis qu'il y a le feu sur la montagne? Marco, je ne sais pas ce que tu racontes. Je suis venue te dire que je suis enceinte. Oh. Je suis enceinte. Oh. Mais tu es sérieuse? Ah, c'est une bonne nouvelle. Hein? Ah, c'est une très bonne nouvelle. J'adore ça. T'es enceinte? Alléluia. Hein? Ok. En fait, le Ronaldo qui a joué ce match est un très bon tireur. Un coup de mort. Incroyable. Alors, c'est quand le mariage? Marcus, qu'est-ce que tu racontes? Quel mariage, hein? Es-tu en train de me dire que vous n'allez pas m'inviter au mariage? Marcus, qu'est-ce que tu racontes? Qui sont les vous? Le tireur d'élite qui a marqué le but. C'est un très bon tireur. Tu me demandes quel vous? Regarde-toi. Marcus, je ne rigole pas avec toi. Et ma sœur est très en colère contre toi. Elle veut savoir qui m'a grossi. Ah ouais, c'est une très bonne chose. Elle a raison. Si elle veut que tu lui montres qui t'a enceinté, elle a tout à fait raison. Ou bien essaies-tu de dire que tu caches la personne qui t'a enceinté? Marcus, tu m'as enceinté et tu dois m'épouser.
Qu'est-ce que je viens de t'entendre dire? C'est toi qui m'as grossi et tu dois m'épouser. Un simple gardien comme moi, t'en santé. Tu n'as pas honte de toi-même? Un simple gardien comme moi, t'en santé et tu as le courage de l'annoncer en public qu'un gardien t'a enceinté. Tu n'as pas honte. Marcus, n'est-ce pas toi qui m'as promis un jet privé? Et tu as cru? J'ai promis de t'acheter. Regarde-moi. Mais regarde-moi très bien. J'ai un vélo. Non, laisse-moi te demander. Est-ce que j'ai un vélo? Je t'ai promis et tu m'as cru. C'est pour ça que tu essayes de... Écoute, laisse-moi te dire. Je n'ai rien à faire avec toi. Va retrouver qui... Regarde-moi très bien. Déjà que j'ai tellement de problèmes dans cette maison, regarde très bien mon visage. T'as vu comment il est gonflé? Il n'y a pas un matin où je me réveille sans que madame n'utilise une bonne gifle pour régler ma conscience. Ce que madame utilise pour me dire bonjour, c'est une gifle. Alors déjà, j'ai trop de problèmes. Dans mon village, d'où je viens, j'ai 3 femmes, 16 enfants. Ils sont là-bas à m'attendre. Donc si tu me suis, si tu dis que je t'ai mis enceinte, ça voudrait dire que tu arrives comme 4e épouse. Alors respecte-toi maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Va donner à ce tireur d'élite le trophée. Qui l'a gagné? Qui l'a joué? Va lui donner cette grossesse, pas moi. Marcus, 3 femmes et 16 enfants, tu ne m'as rien dit? Et tu m'es chevauché pendant tout ce temps comme un cheval. Marcus, tu es méchant. Tu ne m'as pas chevauché, toi? J'étais le seul à chevaucher. Tu es monté. Combien de fois est-ce que tu es monté sur moi pour me chevaucher? Tu ne m'as pas aussi chevauché? La nuit dernière, c'est pas toi qui me pédalais comme un vélo. Tu pédalais. Je t'ai dit de freiner, mais le frein a lâché et t'as continué. Maintenant, tu es là à dire que j'ai 3 femmes. Oui, j'ai 3 femmes, parce que je les garde. Combien d'hommes as-tu connu avant que je te rencontre? Je sais combien d'hommes tu as connu avant de me rencontrer. Si tu avais gardé tous les hommes que tu as eus, je suis sûr qu'ils allaient atteindre 17. Alors, juste 3 femmes, parce que je ne fais pas du manger jeté. Regarde-toi. Je ne fais pas du manger jeté. J'en ai gardé 3. Toi, tu fais du manger jeté. Marcus, oh. Tout ce que tu racontes sont des bêtises. Mais je reviendrai pour toi, ok? Hey, laisse-moi te dire. Si tu reviens encore ici, je vais te rendre infirme. Je vais diminuer ta taille. Je t'ai enceinté. Toi, je te parle tout le temps. Détends-toi. Tu refuses d'écouter. Agis comme ton frère, le cerveau. Il réfléchit, lui. Toi, tu réfléchis pas. Et tu me mets tout le temps dans les problèmes. Maintenant, t'as vu ce que t'as causé? Une autre grossesse. Je t'avais prévenu. C'est toi qui vas souffrir, cette fois. Bonjour, Bogus. Je te rappelle. Salut, oui, bonjour. Bogus. Elle n'est pas ici. Tu aurais dû l'appeler. Je sais. Je ne suis pas là pour elle. Par contre, je suis là pour toi. Je ne comprends pas. Tu n'es pas ici pour elle, tu es ici pour moi. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi ça? Tu sais, tu es si beau, grande taille, sexy, jeune, mignon et belle. Homme, cette femme sans cœur que tu appelles ta femme, elle n'est pas bien pour toi. Jette-la dehors, elle appartient à la poubelle. Vraiment? Oui. Tu t'écoutes parler? Hey, retire tes mains, allez. Tu es sûr que tu es... Allez, beau gosse. Hey, ne parle plus jamais de ma femme comme ça, ok? J'aime ma femme. Et je ne veux pas de... Hey, sors d'ici. Tu es mieux qu'elle. Tu peux tester la marchandise. Essaye, tu verras. Excuse-moi. Essaye, s'il te plaît. Non. Regarde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux tester la marchandise. Allez. Écoute. Tu n'as plus rien à faire ici. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Allez, beau gosse. Allez. Hey, je vais casser ta tête. Je suis là pour t'aider. Dehors. Je suis là pour t'aider. J'ai dit, mets-toi dehors. Allez, tu ne sais pas ce que tu fais. Hein? Tu devrais avoir honte de toi. Je suis juste venue te rendre un service, mais je ne te comprends pas, vraiment. Pourquoi est-ce que Marcus a laissé entrer cette fille? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec les femmes de nos jours. Elle n'a même pas honte de... Je blâme ma femme. Non, je blâme ma femme. Tu t'imagines? Je blâme ma femme.
Hey. Ah, j'ai pas de monnaie. Vas-y, tu peux garder la monnaie. Je garde le reste? Oui. Mon Dieu, merci. Maman? Papa? Alfred? Père? Je t'ai appelé pour te parler. Je me rappelle très bien quand j'étais jeune. J'étais grand, énorme, très beau et très respectueux. Je n'ai jamais rien caché à mon père. Je t'aime tellement. Je ne serais pas du tout heureux de te voir mourir en ma présence. Parce que un aîné ne s'assied pas à la maison pour regarder une chèvre accoucher à l'abri des regards. Alors s'il te plaît, dis-moi exactement ce qui se passe chez toi. Rien, papa. Rien. Mais ta mère ici présente m'a dit qu'elle a été témoin d'une bagarre entre ta femme et toi. Ta femme l'a même insultée en ta présence. Alors pourquoi est-ce que tu me dis rien? Bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé, maman. Je veux dire, si j'étais là, je n'allais pas laisser ma femme te mettre à la porte. Je n'allais jamais la laisser faire ça. Je suis vraiment désolé. Ok? Malgré ça, je ne peux pas mettre ma femme à la porte. C'est impossible, maman. Je veux dire, donnons-lui une chance. J'aime toujours ma femme. Tu aimes toujours qui? J'aime toujours ma femme. Hein? Ma femme n'est pas une sorcière. Hein? Une femme qui t'a giflé en ma présence? Non. Ce n'est pas mon fils. Tu as été ensorcelé. Maman, maman, ne dis pas ça. Personne ne m'a ensorcelé. Mes yeux sont grandement ouverts et mes sens sont intacts. Personne ne m'a ensorcelé. Maman, ne dis pas ça. Hein? Uzoma. Uzoma, calme-toi. Je sais que mon fils que voici sait ce qu'il fait. Il n'est plus un petit enfant. Il est assez grand pour prendre ses propres décisions. Alfred, chaque fois que tu auras besoin de moi, appelle-moi. Nai. Nai. Elle doit partir. Avant qu'elle ne tue mon fils, je dis qu'elle doit partir. Il faut qu'elle parte. Uzoma, je voudrais que tu comprennes que Alfred est assez grand pour prendre ses propres décisions. Oui, non. Et ses décisions sont définitives. Il est en vie et en pleine forme. Je ne peux pas chasser sa femme. Je ne voudrais pas d'une situation où demain, les gens mal parleront de nous en disant que nous avons chassé la femme de notre fils. Je t'en prie. Je ne suis plus un enfant. Nai. Pourquoi tu me dises quoi faire? J'ai dit non. Non. Mary doit partir. Elle doit quitter cette maison. Sinon, je vais me tuer. Sinon? Sinon, je vais me tuer. Tu te donneras la mort? Oui. Maman? Il n'y a pas de maman. Maman, ne dis pas de telles choses. S'il te plaît. Ne te tue pas. Si tu meurs, qui est-ce que je vais appeler maman? Dans ce cas, si je suis ta mère, fais ce que je veux. Et écoute-moi. Ok, J'ai compris, mais peux-tu lui donner une autre chance?
Je veux dire, si elle ne change pas, alors je la mettrai dehors. Mais ne dis plus ce genre de choses. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît. Une seconde chance. Oh. Une seconde chance. Maman, merci. De rien. Mais d'accord, regardez-vous tous les deux. Regardez-vous tous les deux. À cause de ça, tu as oublié la sauce pistache que tu as promis de me servir quand j'aurai faim. Ce n'est pas seulement les goussis. Je vais aussi te cuisiner des légumes avec du okoroko. Maman. Tu verras, fais-moi confiance. Ce n'est pas juste pourquoi tu connais ce que je vais faire. Honnêtement, je suis vraiment désolée. Tu sais, je me sens vraiment mal après tout ce que tu m'as dit. Ah, Alfred. Ça va. J'ai déjà compris le genre d'homme qu'il est. Mais peux-tu croire qu'il a dit que tu pues ? Moi ? Que tu n'as pas de rondeur ? Que tu n'es pas son genre ? Que tu es méchante et sans cœur ? En fait, il a dit une tonne de choses sur toi, mon ami. Alfred, ma haine pour toi vient d'atteindre le niveau supérieur. C'est pour ça que je dis que les hommes ne méritent rien de bien. Je ne permets presque jamais à cet idiot qu'est mon mari de me toucher. Ce sont des salauds. Alfred, tu vas rentrer du village et venir me trouver ici. J'attends. Tu vas rentrer et me trouver ici. Moi, je peux. Je suis méchante. Moi. Ma puce, tu dois ouvrir les yeux. Maintenant qu'il est ruiné, tu vois cette belle maison? Il va bientôt la vendre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et je suis honnête envers toi. Ouvre tes yeux et bats-toi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bien que je te dise. En fait, je devrais lui donner une boisson. Mettre quelque chose à l'intérieur. Oh. Il te sera... Oui. Oui. Alfred, t'es dans les problèmes. Ouais. T'es dans les problèmes. Oui. Ha! Eh bien, concernant ce que vous m'avez dit, j'ai besoin des documents originaux pour transférer ses propriétés et signatures. J'en ai besoin. Je sais. Avoir les documents n'est pas du tout un problème. Le problème est de réussir à le faire signer. Et c'est mon problème principal. La balle est dans votre camp. Faites votre travail et je ferai le mien en moins de 24 heures. Je vais vous appeler, maître. Ok? Je vais y attendre. Merci d'être venu. Ok. C'est bien-être. Alfred, je sais que tu es en train de rentrer à la maison. Je veux que tu prennes vraiment soin de ta maison quand tu vas rentrer. Et le plus important encore, ma petite fille. Oui, vraiment très important. Tu as suivi? Prends très bien soin d'elle. T'inquiète pas, je le ferai. Eh bien, il faut déjà que je parte maintenant. Tu sais que le voyage est très long. Oui. Il faut que j'arrive avant la nuit. C'est d'accord. Ta mère va t'accompagner jusqu'au portail. Papa. Ou alors, tu voulais qu'elle te suive? Bien sûr, je vais partir. Je préfère qu'elle reste derrière. Je vais partir avec toi. Non, tu ne peux pas l'accompagner. Okay. Pourquoi? À cause de la nourriture. Tu dois juste revenir. Prends tes médicaments tôt. J'ai dit, prends tes médicaments tôt, papa. Sans problème. C'est très important. Je le ferai. Ok, je m'en vais maintenant. C'est d'accord.
Fred, aujourd'hui tu dois me donner de l'argent. Oui, tu m'en donneras autre. Aujourd'hui tu dois me donner de l'argent. Tu ne peux pas être inutile toute ta vie. Non, Marie, ça ne peut pas Marie, se passer comme ça. Que tu me cravates. Ok. Donne-moi okay. Fusil, que j'aille braquer. Mais je m'en fous. Laisse-moi aller voler, non. Je m'en fous, va braquer. Oui, va j'ai braquer. J'ai perdu mon job. Que voudrais-tu que je fasse d'autre? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui a la fièvre typhoïde? Qui êtes-vous? Il fait au moi je sais qui. Ok. Tanti, c'est lui. Qui a fait quoi? Qui a enceinté ma petite sœur? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous? Que moi, je l'ai enceinté? Oui. Écoutez, si vous ne baissez pas d'un ton, le tonnerre va vous frapper. Ma patronne est là. Quel genre de patronne? J'ai amené ta marchandise. Alors, amenez-la au marché et vends-la. C'est un produit chinois, ça. Et fais-moi. Voici ta maison. Bien. Hé! Revenez, où est-ce que vous allez comme ça? Tu ne veux pas me donner à manger? Tu ne veux pas? Tu... Écoutez, ce sont des fantômes. Ne faites pas attention à elles. Que se passe-t-il ici? Qui est-elle et pourquoi pleure-t-elle? Voici ce qui se passe. Ife et moi ne rentre pas chez moi avec moi. Ah. Elle reste ici. C'est sa maison à présent. Quoi? Voici ta maison. Reste ici. Non. Attends. Hé, hey, madame, revenez. Vous voyez? Hé, hey, attends. Qui est-elle? Je ne sais même pas. Qui es-tu? C'est lui. Jeune fille, je ne comprends pas. Qui es-tu? Que veux-tu dire par lui? Je demande qui es-tu? Présente-toi bien. Fais vite. Je suis Ife et Oma, ils m'ont enceinté. Moi. Quoi? Ma... Marcus, c'est Marcus, toi? Dans cette maison? As-tu vraiment enceinté cette petite fille? Qui, quoi, petite fille? Hey! Une petite fille? Patron, je ne l'ai pas. Vous énervez pas. Demandez-lui. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu la mettre enceinte? Patron, écoutez, j'étais dans mon coin en train d'étudier la Bible, tout concentré. Pendant que j'étudiais la Bible, j'étais. Marcus, as-tu enceinté cette fille? C'est la question que je te pose. Toi, tu parles d'autre chose? As-tu enceinté cette petite fille? Patron, cette fille n'est pas une petite fille. C'est moi qui vous le dis. Vous ne pouvez pas comprendre. Une petite fille? Patron, je méditais avec la Bible. J'étais presque dans le livre de Malachie. Vous comprenez? Alors, étant dans Malachie, j'ai continué dans Lévitique. Quand je retournais à la Genèse, cette fille ne faisait que m'appuyer. Et elle m'appuyait avant que je ne le sache. Elle m'a poussé à l'intérieur. J'ai perdu le contrôle et je me suis retrouvé dans le magasin. Patron, c'est une mauvaise chose. En tout cas, je suis désolé. C'est pas toi qui as promis de m'acheter l'avion? Attends. Marcus, tu lui as promis un avion? Patron, regardez-moi, j'ai même un vélo. Moi, lui promettre un avion? Comment? Patron, cette fille, elle joue beaucoup et elle aime jouer. Elle saute tout le temps comme un carpo ou un tartare. J'ai dit non. Vu que tu aimes jouer, je vais t'acheter un avion. Quand je parlais d'avion, je parlais d'un jouet, un avion, un jouet. Patron, j'ai fait une erreur. Marcus, hein? Tu sais quoi? Je ne veux pas te voir, toi et cette chose, dans cette maison. Reprends tes affaires et repars d'où tu viens, ok? Madame? Non, madame, vous ne pouvez pas. En fait, vous avez dit une chose que je confirme vraiment. Ça, c'est une chose. Et non, une femme. Mais vous me demandez de partir d'ici avec cette chose? Madame, déjà que j'ai 3 femmes. J'ai 3 femmes, et si je m'en vais d'ici avec cette chose, j'en aurai 4. J'ai déjà 16 enfants, madame. Plus ce qu'elle porte ici, si cette chose sort, ça va faire 16 enfants. Comment je vais les nourrir? Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, madame, s'il vous plaît. Marcus, je te donne 48 heures, oui, 48 heures. Si tu vas après avec cette chose, je vais te tuer. Tu es déjà mort. Et toi, je vais m'occuper de toi. Me chasser d'ici, vous m'avez déjà tué. On dit cette chose... Cette chose, va-t'en d'ici, non? On dit cette chose, regarde comment Marcus, tu me regardes, on dirait Marcus, une fille à femme. Marcus, demain je te donnerai un peu d'argent pour ramener cette fille chez elle. Peu importe d'où elle vient, ok? Ses parents doivent te voir, tu vas la ramener. Tu as compris? Donc demain, viens prendre un peu d'argent, vous partez. S'il vous plaît, vous pouvez, suis-le, allez-y. Allez, je voudrais me reposer. Le patron a dit, suis-la. Ce qui veut dire que je suis ta future femme. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est aller à l'intérieur et préparer la réunion d'août. S'il vous plaît, vous pouvez partir, non? Marcus, tu veux me tuer? Allez-y! Marcus, tu vas m'épouser! Marcus, tu vas m'épouser aujourd'hui, je ne blague pas avec toi! Tu vas le faire! Tu brutalises un officier de la justice! Tu brutalises un officier de justice de la République fédérale du Nigeria, article 1, alinéa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que fais? Et c'était à ce même endroit que tu m'as touché! Quand mon ange s'est réveillé. Allez! Ne touchez pas à mon oin et ne faites pas de mal à mon prophète. Hein? Que je dépose. Avance, tu vas m'épouser.
Si tu ne me lâches pas, je vais te tuer. Quand je disais 48 heures, ce n'était pas une blague. Alors prends cette chose et partez de chez moi maintenant, bande d'imbéciles. Allez-vous-en. Madame, s'il vous plaît. Attends, je pense que je m'amuse, c'est ça? C'est l'œuvre du démon. Je pense que je blague. C'est... Que faites-vous encore ici, hein? Madame, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. C'est l'œuvre du diable, madame. Partez pas, je vais pêtre la tête. Allez. Allez-vous-en. Partez d'ici. Marcus, allons-y. Je ne rigole pas. Si je reviens, vous trouve ici. Marcus. Écoute, je comprends ce que tu traverses. Je ne sais pas quoi faire. En ce moment, comme tu peux le voir, mes mains sont liées. Assure-toi de prendre soin d'elle et du bébé. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Quoi qu'il arrive à un homme, c'est un challenge. Et tu dois y faire face. Ok, je vais essayer de... d'envoyer un peu d'argent pour pouvoir prendre soin de la fille et du reste de la famille. Même si ce sera petit. Tu connais ma situation, c'est pour ça que je ne peux rien te donner. Mais, je te le promets, je ferai de mon mieux. Ok, sois juste fort comme un homme. Patron, vous êtes une bonne personne. Dieu vous le rendra. Amen. Pas de problème. Pourrait-il que mon fils soit ensorcelé? Il vit vraiment un enfer dans cette maison. Mais un homme avec toute sa tête ferait partir une telle fille. Quel est ce genre d'amour? Jai, cette fille est vraiment terrible. Mon Dieu, s'il te plaît, protège mon fils. Non. J'ai faim. S'il te plaît, apporte ma nourriture. Uzoma? Hey! Nai, tu es de retour. Oui, je suis rentré. À quoi est-ce que tu penses? Rien, Nai. Je vais bien. C'est d'accord. Si tu vas bien, apporte ma nourriture. Ok, je vais le faire. Assieds-toi, je t'apporte à manger. Je voudrais m'asseoir ici dehors et manger. Ok, j'ai pris note. Je l'apporte. Hey, chérie. Bébé. Bébé. Bébé, réveille-toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je en train de rêver? Bébé, ce n'est pas un rêve. Tu m'as appelé, bébé. Bébé, t'es très drôle. Bébé, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, ok? À partir d'aujourd'hui, je serai une nouvelle femme. Sérieusement. Je suis désolée. Ok? J'ai peur. Je veux dire, tu... Bébé, je sais. J'ai changé. Je veux être la meilleure épouse pour mon mari. Waouh. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est bon. Je vais bien. Je te pardonne. Ok? T'es le meilleur. Ok, bébé. Je t'ai apporté ça. Trinquant au bonheur, à la paix de l'esprit. Eh bien, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas envie de boire, ok?
Bébé, ça veut dire que t'es toujours fâchée contre moi. Je t'ai dit que je suis désolée. Hein? Je suis désolée, sérieusement. Oh, Oh, ok, c'est bon. Ouais, je voulais dire que si t'es sûre de m'avoir pardonné, alors prends ça. Tu m'as vraiment manqué, mon amour. Ok, je te pardonne. Bien senti. Tu aimes? Oui, en effet. Je remercie Dieu que tu aies finalement changé. Ouais. Il a exaucé ma prière. C'est vrai, n'est-ce pas? Je jeûne depuis à peu près 3 jours maintenant. En fait, je suis à mon 3e jour de jeûne. Et je me suis dit, Mary, tu dois être la meilleure épouse pour ton mari. Et j'ai changé. Tu m'as manqué. J'ai mal à la tête. Bébé, c'est parce que t'es fatigué. T'as besoin de te reposer. Ok? En instant, je veux que tu saignes quelque chose. Bébé, je veux juste que tu me saignes ça. Ok. Bébé. Signer quoi? J'ai vraiment sommeil. Je peux signer ça demain, s'il te plaît. Non, bébé, s'il te plaît, juste ta signature. C'est tout, juste là. Ok? Juste là. Oui. Merci, mon bébé. Maintenant, t'es complètement ruiné. Homme inutile. Héroïne préférée. Oui, ma puce. Maintenant, cette maison t'appartient. Il ne pourra pas vendre ce qui est à toi. Il a signé son arrêt de mort. Je vais en finir avec lui très bientôt. Les hommes ne méritent rien de bon. Sérieusement. Ma puce, écoute, laisse-moi te dire. Sais-tu que tu as une fille futée? Et mon idée était géniale. Allez, top à quoi là. Quoi servent les habits? Trinquant. Jane, cet homme n'a encore rien vu. Je vais m'occuper de lui jusqu'à ce qu'il meure à petit feu. Ok. Ma puce, ton rendez-vous d'hier, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Mais honnêtement, c'était stressant, je t'assure. Mais je remercie Dieu que tout se soit bien passé. Dieu merci, je me sens tellement bien, je suis si contente. T'arrives? Pourquoi est-ce que je te parle? Tu me tournes le dos. C'est quoi ton problème? Quoi? Qui a retiré mes vêtements dans la chambre? Je les ai mis dans la chambre du voisin. Où est ta place? À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te revoir dans cette maison. Plus jamais de ta misérable vie. Je crois que tu blagues. Sous l'autorité de qui? Dans ma propre maison? Non, dans ma maison. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer où t'as signé les documents pour le transfert. Regarde. Voici où t'as signé pour me transférer tous tes biens. Tiens, regarde. C'est ça ici. Alors à partir de maintenant, cette maison m'appartient et c'est moi qui ai le dernier mot. Alors si tu ne te respectes pas, je vais te foutre à la porte de cette maison. Non ! La seule raison pour laquelle je te tolère encore en ce moment,
C'est à cause de ma petite fille. À partir de maintenant, ta maison est dans la chambre du gardien et non dans ma maison. Maman, arrête! Je vais te gifler. Ne parle pas à ma fille comme ça. N'essaye même pas. Plus jamais. Papa, je viens avec toi. Hein? Viens ici. Tous les hommes méritent l'enfer, y compris lui. Alors, va à l'intérieur. Tu es très méchant. Donc tu m'as piégé en me faisant transférer tous mes biens vers toi. Et tu me le dis sans état d'âme. Je te pardonnerai jamais. Jamais de ma vie. Écoute-moi très bien. Ne m'énerve pas. Je perds patience. Ne m'énerve pas. Tu veux me taper? Dans ma propre maison? Tu veux me taper? Alfred, tape-moi. Tape-moi, Alfred, tape-moi. Tape-moi. Allez, vas-y. Homme inutile et misérable. Foutaise. Écoute, va dans la chambre du gardien. C'est là qu'est ta place. Prends ton téléphone. N'importe quoi. Prends ton téléphone. Ou je vais le jeter. Oh, mon téléphone. Mon téléphone. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Homme inutile. Ah! Assure-toi de bien laver ses vêtements. Tu me comprends? Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame. Si tu veux, fais 5 heures de temps là, c'est ton problème. Quand tu finis, viens à la cuisine. Faire de la sauce des goussis avec beaucoup d'ingrédients et de viande. Hein? Homme inutile. C'est tout ce que tu sais faire, laver les habits. Je vais encore en apporter d'autres. N'importe quoi. Alfred. Moi. Alfred. Seigneur, pourquoi as-tu laissé qu'une telle chose puisse m'arriver? Je ne peux même pas bien me nourrir chez moi. Ma femme me met à la porte. Combien de temps est-ce que ça va durer? Je ne peux plus continuer de mendier ainsi. Non. Aucun de mes amis ne veut plus m'aider, même pas un seul. Mais ma fille doit aller à l'école. Elle ira à l'école. Je dois faire n'importe quoi, je dois faire quelque chose. Quoi que ce soit, il faut que je le fasse pour m'assurer qu'elle puisse enfin retourner à l'école. Peu importe ce qu'il faut, je dois me rassurer que ma fille puisse retourner à l'école. Je ne peux pas juste rester comme ça. C'est très frustrant, c'est... Seigneur. Alfred. 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 Madame. Comment oses-tu brûler mon beau vêtement? Comment oses-tu? La prochaine fois que t'essayes, tu passeras ta misérable vie en enfer. En fait, pour avoir brûlé ce vêtement, t'auras pas à manger pendant 2 semaines. Espèce de paresse, allez, retire-moi ça des mains. Idiot. Tu vas me gifler? T'es fort? Eau glacée, eau glacée.
Ma puce. Je suis dehors, viens, on y va. Ah, ma puce, tu m'as fait attendre. J'ai vraiment pas envie de sortir aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à ton visage? Ah, mon visage? Je suis accidentellement tombée dans la douche ce matin. Accidentellement? Oui, très cher. Prochainement, fais très attention. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Comment va ton mari? Il va bien. Allons-y, nous sommes déjà en retard. D'accord. Quand t'auras fini de grelotter, lave-moi tous ces habits, ok? S'il te plaît, bébé. Hein? Comment viens-tu juste de m'appeler? Chérie? Ai-je suivi, chérie? Je te l'ai déjà dit. Appelle-moi madame. Je suis ta patronne dans cette maison. Désolé. C'est mieux. Madame. S'il vous plaît, madame, je suis très malade. Ma température est très élevée. Pouvez-vous me donner un peu d'argent pour que je puisse acheter les médicaments? Ferme-la. Ne fais pas en sorte que je te gifle. T'es fou? En tant que ta servante ou quoi? Désolé. Tu dois avoir perdu la tête. N'importe quoi. Papa, je suis vraiment désolée. Chut, viens te placer ici. Place-toi là. Allez, place-toi là. Mais maman, papa avait besoin de médicaments. Chut. Allez, va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Et toi, t'as qu'à mourir. Je m'en fiche. Meurs. C'est mieux.
Bonsoir, madame. Bon après-midi. Qu'y a-t-il? Calme-toi, calme-toi. Qu'y a-t-il? Madame, mon père est malade. J'ai besoin des médicaments. De quoi est-ce qu'il souffre? Comment se sent-il? Il a de la fièvre. Il a de la fièvre. Combien as-tu sur toi que je sache? J'ai 200 naira. 200 naira ne sera pas assez. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est mon père, il est en train de mourir. Pas de problème, je vais juste te donner ça à cause de ton père, pour sauver une vie. Ça va, désolée, calme-toi. Calme-toi, désolée, ça va aller. Quand tu arriveras à la maison, donne-lui deux matins, deux soirs. Tout ira bien. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie. Dieu vous bénisse. Bye. Pourquoi cherches-tu Miracle? Où est ma fille? C'est quoi ton problème? Où es-tu Miracle? Tu deviens fou ou quoi? Cette petite fille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que lui est-il arrivé? Hey, qu'est-il arrivé à cette petite fille? Et Miracle. Qui lui Miracle. A fait ça, mon Dieu? Miracle. Hey, mon Miracle. Dieu, elle est tellement. Miracle. Miracle. Oh mon Dieu. Réveille-toi. Papa, s'il te plaît, prends ces médicaments et guéris. Non, non. Pourquoi? S'il te plaît, n'abandonne pas. Miracle. Je vais bien, ne meurs pas, s'il te plaît. Miracle! 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 Ah, Miracle! Non! Non! Pourquoi ça m'arrive? Non! Non! Petite princesse, t'as décidé de mourir pour ton vaurien et inutile de père. Mais je jure, il va le payer. Il paiera pour tout, je le jure, sur toute ma vie. Premièrement, lorsque j'aurai reçu les documents du transfert des biens de l'avocat, tu seras jeté hors de cette maison pour toujours. D'ailleurs, peu importe ce qui nous liait, c'est brisé. Calme-toi, je comprends. Calme-toi juste. C'est bon, je comprends. Je sais comment tu te sens. Tout va bien. Allez, calme-toi. Mais où est ton inutile mari là? Où est-il? Il s'est enfermé depuis des jours maintenant. Il s'est enfermé depuis des jours et tu es restée tranquille? Mon Dieu. Hein? Marie, agis. Jette-le hors d'ici. Jette-le dehors, hérite de sa propriété et recommence une nouvelle vie. Je jure devant Dieu. Je le jure, je vais m'occuper de cet homme. Je m'occuperai de lui au point où il regrettera d'être un être humain. J'attends juste que l'avocat m'apporte les documents du transfert. Je vais m'assurer qu'il demeure dans la misère pour toujours. Hein? Oui. Mais... il est supposé être arrêté alors qu'il est. Hein? Un sombre idiot. Mais tu le crois? En fait, c'est lui qui a tué cet enfant. Hein? C'est lui qui l'a tué. Hein? Calme-toi, ma puce. Calme-toi, ça va aller. Je vais m'occuper de cet homme. Je vais m'occuper de lui jusqu'à ce qu'il meure. Il ne se remettra jamais de ce choc. Il ne se remettra jamais, jamais de ce choc. Mmh.
Occupe-toi de lui. Rassure-toi de te charger de lui, oh. Occupe-toi de lui jusqu'à ce qu'il te soutienne. Fais-le. Je te soutiens totalement. Voilà, j'ai fait ton plat favori. Lave-toi les mains. Oh. C'est vrai, j'avais oublié. Non, mais regarde-toi. C'est bon, là. Vas-y, commence à manger. Attends, que je le goûte. Goûte. Pour que je puisse te noter. Tu le fais à chaque fois, cet homme. Rassure-toi de ne pas toucher à la viande. Je vais garder un œil sur toi. Mon fils. Allô? Alors, comment vas-tu? J'espère que vous allez tous bien là-bas. Tu as pensé à nous aujourd'hui? Hein? Que s'est-il passé? Comment? Hey! Nai! Notre fils vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parle. Miracle, ma petite fille est morte. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que tu as permis que cela arrive à mon fils? Ma petite fille! Kuzuma, c'est bon. Lève-toi. Tes pleurs ne vont pas la ramener. Nay, ma seule petite fille. Je sais. Elle était notre petite fille. S'il te plaît, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Bonjour, maître. Que s'est-il passé? Je m'attendais à vous voir ce matin, mais vous n'êtes pas venu. Oh, ok. Peut-on nous voir ce soir à 21h, s'il vous plaît? D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, bye. Oui, maître. Bienvenue dans mon humble demeure. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, je veux voir comment Monsieur Alfred va pleurer, sachant qu'il a tout perdu. Waouh, vous êtes vraiment un avocat. Redites-le encore. Laissez-moi l'appeler. Alfred? Où est cet homme inutile? Alfred! Voilà l'homme inutile qui arrive. Regardez-le, il marche comme un paresseux. Hey, monsieur le paresseux. Par ici. Le voilà. Ah. Ah. Seul, bienvenue. Assieds-toi. Mon vieil ami, je suis désolé pour cette perte. Merci, mon ami. Je veux dire, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je dois... aller de l'avant. C'est la vie. Mais maître, êtes-vous ici pour souhaiter vos condoléances ou quoi? Ça veut dire quoi? Vous êtes vraiment désolé. Vous êtes ici pour foutre ce cadavre ambulant hors de cette maison et vous lui dites que vous êtes désolé. Que se passe-t-il ici? Ah, de toutes les façons, vous ne comprendrez pas. C'est incroyable, mec. Mon frère. Regarde. Regarde-toi, tu as pris du poids. Tu étais si mince. Tu as pris du poids, c'est surprenant. Mon frère, la vie est dure. La vie est dure. En fait, Dieu est juste de mon la côté. La vie est dure et tu as cette quantité de poids. C'est incroyable, mec. Je t'en prie, laisse ça. Bien, tu m'as appelé au téléphone, donc. Mais depuis que je suis là, tu ne m'as encore rien dit. Je ne fais que boire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu à me dire? Mon instinct ne m'a jamais trompé. Je vois. Une dame m'a été recommandée par un ami. Mm-hmm. Elle a apporté... des documents de propriété pour transférer son nom, y compris la maison. En parcourant ces documents, le nom inscrit m'était
m'était si familier. Alors j'ai... Même les numéros qui s'y trouvaient. Je me suis dit, ok, il faut que j'appelle ces numéros. Pour clarifier mon instinct. Frère, c'était toi. Je suis si heureux de te voir. Non, tu te trompes, John. Allez, John, tu ne peux pas plaisanter avec une affaire aussi grave que celle-ci. Je n'aime pas ça. Attends, tu veux dire que ma femme veut transférer les documents de ma propriété en son nom? Ah, pourquoi les gens sont aussi méchants? Même toi, après toutes ces années, on se voit à peine et tu calomnies ma femme? Écoute, que ce soit clair, ma femme même, elle ne saurait me faire une chose pareille. Ne dis plus ça. Frangin. Non, je ne te crois pas. Ok, ah, d'accord. Si tu ne veux plus que je boive, je m'en vais. Mon frère. Tiens. Fais-moi voir. Et regarde. Écoute, ma femme m'aime énormément. Elle ne peut pas. Tu vois ma femme? Peu importe. Je peux même jurer qu'elle ne peut pas faire ça. Ah. Quoi? Qu'est-ce que... Alfred, tu es mon ami. Qu'est-ce que... Après tant d'années que t'as souffert pour moi... T'es venu à mon secours quand je n'avais rien. Tu m'as soutenu à maintes reprises. Sans toi, je ne serais pas devenu avocat aujourd'hui. Audi, peu importe les circonstances, peu importe la somme que quelqu'un pourrait me payer pour agir contre toi, ça ne marchera pas. T'es un très bon ami. Attends. Hey, Mbanu, ça c'est la méchanceté. Pourquoi ma femme ferait une chose pareille? Pourquoi ferait-elle? Écoute, tu dois juste jouer le jeu, ok? On doit juste jouer ce jeu. Si on agit autrement, elle peut nous démasquer. Elle est très intelligente et... Allez, mec, je ne veux pas perdre tous mes biens. Oh, dis, mon ami. Écoute, rien ne t'arrivera. Mais attends, pourquoi les gens font ce genre de choses? Hein? Cette maison, je l'ai construite avec ma sœur. J'ai acheté ces voitures avec ma sœur. Et je la nourrissais confortablement. Juste parce que j'ai perdu mon job. Afa Teremao, Efunafu, Atana Forwa. Et toi, Inumao, Tireche. Marie a osé me faire ça. Oji, t'inquiète pas. Écoute, je te rassure. Rien ne t'arrivera. Rien n'arrivera à tes propriétés. Est-ce que tu m'écoutes? Aussi longtemps que je serai impliqué, rien n'arrivera à tes propriétés. So, Makanam Dili. Marie a eu cette audace, cette toupée. Afa Doruma, je verrai bien où elle ira avec tout ça. Odi, calme-toi. Odi. Je ne veux plus boire. Non, je n'ai plus soif. Non. Je t'ai appelé ici pour que tu prennes quelque chose. Hein? Non, aussi longtemps que cette affaire sera entre mes mains. Je vais la résoudre. Je sais, mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai commis de si grave pour que cette fille me a fait d'arata? Quoi? Ton mari ici présent est un très bon ami. Un ami de longue date, et ce depuis l'université. C'est un homme bien. Maître, vous blaguez, n'est-ce pas? Maître John, pas besoin de tout ce long protocole. Cependant, peux-tu me remettre les clés de voiture? C'est moi qui vous ai fait venir ici. Hein? Que se passe-t-il? Remets les clés de voiture, maintenant. Si tu ne veux pas que je t'arrache... Non. Remets les clés de ma voiture! Oh que non, je ne peux pas faire ça. Remets ces clés! Écoute, encore une chose. À partir de maintenant, range tes effets et va avec dans la chambre du quartier. Quoi? Jusqu'à ce que j'ai décidé de ton sort. Dehors. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Dehors! Jennifer! Alors, mon bon ami, merci pour ce que tu as fait. Je veux dire, je t'en serai toujours reconnaissant. Merci. Alors, qu'est-ce que je t'offre? Du champagne ou alors ce que tu veux? Je n'ai besoin de rien. Ne me dis pas que t'as pas soif. Je ne veux pas boire. Pas aujourd'hui. Vraiment incroyable. Jennifer, t'es méchante, t'es sans cœur. Tu m'as dit que cet avocat pouvait tout faire, n'est-ce pas? C'est pas ce que t'as dit? Oh mon Dieu. Oh bon. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que c'est un camarade à ton mari? Il a empiré les choses, il a repris son boulot. Il m'a envoyé dans la chambre du gardien. Moi!
Et j'ai perdu. Marie, j'ai tout perdu. Okay. Oh, mon Dieu. Calme-toi, nous allons trouver une solution. Calme-toi, ok? N'abandonne pas si facilement. Mais calme-toi. De quoi est-ce que tu parles? Quelle solution allons-nous trouver? Viens t'asseoir. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Viens t'asseoir et... M'asseoir pourquoi? Réfléchissons comment faire. Je n'entends pas ce que je dis, j'ai tout calme-toi. Perdu. Calme-toi. Viens t'asseoir tout, et... Tout est parti. Viens t'asseoir. Oh, réfléchissons ce que nous allons faire. Je suis foutue, je ne peux pas supporter. Calme-toi, ok? Calme-toi. Moi, une dame comme moi, dans la chambre du gardien, j'ai perdu mon boulot, pas de quoi manger. Moi, Mary. Oh. Hey. À quoi me sert mon boulot maintenant? Ok, j'ai repris mon travail, mais... J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu ma fierté. En fait, j'ai tout perdu. Seigneur, ramène-moi mon bonheur. Si seulement je pouvais ramener ma fille. Oh mon Dieu, c'est... Seigneur. Bien, je vous ai tous fait venir pour une brève conversation et de ma propre décision. Depuis que je suis marié à ma femme, je n'ai jamais été heureux. Oui, mais je ne voulais pas me plaindre chez quelqu'un, croyant qu'elle devait changer un jour, mais elle ne l'a pas fait. Je t'aime encore, bébé. Je t'aime aussi. Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Désolé, papa, je n'étais pas informé avant de prendre ma décision, mais... Désolé, je ne veux plus continuer avec ce mariage. J'ai demandé le divorce. Je suis désolé de ne vous l'avoir pas dit, mais j'ai pris ma décision. Donc, voici tes bagages. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Oh, mon Dieu. Alfred. Père. Es-tu vraiment en train de me dire que... Nous devons aller et récupérer l'argent que nous avons payé pour sa dot. Exact. Hey, c'est Seigneur. D'accord. Je suis vraiment désolée. Désolée pour toi et ta génération. Femme démoniaque, ton temps a expiré. Tu vas quitter cette maison. Méchante femme. Maman, je ne suis pas démoniaque. Femme je démoniaque. Je ne suis pas. C'est papa ici présent qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quoi? Oui, toi. Tu m'accuses, moi? Oui. Depuis que tu as quitté ma maison quand tu étais encore toute petite, la seule fois où j'ai reposé mes yeux sur toi, n'était-ce pas quand tu es revenu pour ton mariage traditionnel? Après cette cérémonie,
Étais-tu capable de décrocher à mes appels ou bien m'appeler? Je te le demande. Je cherche sur qui j'étais la faute. Ok, si vous voulez savoir pourquoi je suis comme ça, je vous le dirai à tous. Je vais tous vous dire pourquoi je suis comme ça. Mon amour. Ijoma, pourquoi cette sauce est si pimentée? Pimentée? Non, non, mon amour. Je viens juste de la goûter, elle ne l'est pas. Donc c'est moi qui mens maintenant? Non, non, mon amour. Hein? Comment puis-je dire ça? C'est moi. Suis-je folle? C'est moi qui mens. Essaye cette bêtise la prochaine fois. Ijoma. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ijoma. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée, maman. Désolée. Désolée. Désolée, maman. Calme-toi, maman. Maman, désolée. Ça va aller. Calme-toi. Je suis désolée, s'il te plaît. Maman, je suis désolée. Ça va, mon bébé. Désolée. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ijoma, j'ai dit que tu le feras. Parce que si tu continues ainsi, un jour tu vas me tuer. Je ne le ferai pas. Ijoma, je ne le ferai pas. J'ai dit que tu vas le faire. 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 Hein? J'ai dit, tu vas le faire. Tu vas le faire. Papa, laisse maman. Laisse maman, s'il te plaît, papa. Tu vas le faire. Laisse maman. Laisse maman. Tu vas le faire. Ijoma. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Papa, laisse maman. Lâche-la. Tu oses parler. Tu oses parler. Reviens. Reviens. Papa, laisse maman. Lâche-moi. Papa. Ijoma. 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 Ijoma! Hey, Obim, tu es de retour. Sitôt. Que vas-tu cuisiner aujourd'hui? Je veux cuisiner la sauce d'égoussi. La sauce d'égoussi? Oui. Que t'ai-je dit que je voulais manger quand je quittais cette maison? Chérie, tu m'as demandé de cuisiner la sauce légumes avec la queue de bœuf. Mais tu as refusé de me laisser un peu d'argent. J'ai utilisé le 800 naira que j'avais sur moi pour faire les goussis parce que c'est moins cher. Donc, en tant qu'homme de la maison, tu as choisi de cuisiner ce que tu veux? Non, chérie. C'est chérie, ça? Tu comprends mal. C'est ce que tu as choisi, hein? Tu as choisi de faire ce que tu veux. S'il te plaît, arrête, tu me fais mal. Idiot, c'est ça? C'est ça? Tu as choisi de faire ce que tu veux. Attends, tu vas voir. Tu vas voir ce que je te fais. Laisse maman, papa. C'est ça? Tu as choisi de faire ce que tu veux dans ma maison. S'il te plaît, fais mal. Laisse maman. Attends, lâche-moi, toi. Tu vas voir. Tu rates ta leçon. Laisse maman, papa. Lâche-moi. Dégage. Laisse maman, arrête. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. Ijoma, si tu veux. Ijoma, tu me provoques. Tu me provoques, Ijoma. Hein? Meurs. Si tu meurs, je t'enterre. Foutaise. Maman, ne meurs pas, s'il te plaît, maman. Ne meurs pas, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Ça, ce n'est pas une raison suffisante pour toi. Toi, que j'ai tant aimé. Dépenser à transférer tous mes biens à ton nom. Seigneur, tu n'as pas de conscience. Tu es très méchant. Je ne pensais pas que tu pouvais faire une chose pareille, Marie. Comment peux-tu avoir un esprit aussi mauvais? Non, attends. Qu'en est-il de notre fille? Dis-le-moi, à cause de toi, la fille que j'aimais le plus, la seule raison de ma joie, tu as vendu ta conscience. Et à cause de toi,
Je les blâmais jusqu'à la mort à cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Je suis désolée. S'il te plaît. Il t'a demandé de partir. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à le supplier. J'ai dit de ne pas le toucher. Maman. Va porter ton sac. Qui est ta mère? Porte ton sac et va-t'en. Quitte cette maison. Papa. Maman. Qui est ta mère? S'il te plaît, lâche-moi. Bébé. N'appelle pas mon fils bébé. S'il te plaît. Allez, il faut partir. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Chérie, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. Quitte ma maison. Chérie. Déliard, va-t'en chez moi. Chérie, s'il te plaît. Quitte ma maison. Chérie, s'il te plaît. Chérie, je t'en prie. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tiens. Chérie. Faut le camp de chez moi. Dégage. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Chérie. Écoute. Ne fais pas ça. Chérie, s'il te plaît. Chérie, ne me jette pas dehors. S'il te plaît, chérie. Si je retourne au village, ma vie sera détruite. Je suis prête à être ta servante. Chérie, s'il te plaît. Donc tu savais tout ça, mais tu m'as quand même trompée. Je le savais pendant tout ce temps que tu me trompais, Jennifer. Va rejoindre cet homme qui t'a mise enceinte. Va rejoindre cet homme qui t'a mise enceinte. Chérie, s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi. S'il te plaît, chérie, je t'en prie. Dégage. Ne me fais pas ça. Tu vas partir. Chérie. Bonjour. Chérie, pour l'amour de Dieu. Et où est-ce que celle-ci va avec ses valises? Dieu, chérie. Que se passe-t-il ici? Oh, les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Quand je vais entrer, quand je vais revenir, pardon, je veux que vous soyez partis toutes les deux. Chérie, c'est pardon. Vous ne quittez pas ma maison, pardon, vous verrez ce que je vais vous faire. Ne me parle pas. Sortez prie, de chez chérie. Moi. Je veux plus vous voir ici. Chérie. Oh. Ma vie est foutue. Tu m'as trompée.
Ha ha ha.